Putain, t'as mis Dubinaz en train de conduire. Au pire, dès que j'atterris dans le trou, j'arrête. Enfin, déjà atterri, dès qu'il y a la phase. J'arrête, comme ça, il va être 4h30, je pense. Et on reprendra la semaine prochaine. Mardi. Mardi, je pense que je vais faire mardi. Vu que je suis de repos, je vais en profiter. Zane, and a gate. Zane. Dépose son arme là, normal. Ah, ok. Trouver Zane, fouiller la chambre de Zane. On va se retrouver avec eux? Oh, j'ai pas regardé derrière les feuilles tout à l'heure. Oh, je suis trop bête. J'ai oublié. Oh non, j'en suis sûr, il y avait un truc. Tu es allé plus loin que quiconque dans notre famille. Je suis fier de toi, Zane. Décroche le diplôme, ton père qui t'aime. Ok, c'est sa fille. Attends. Bah oui. Ah non, bah non, peut-être. J'inspecte le propre cadeau que je viens de ramener. Ah bah c'est son garçon. Ok, bon, je savais pas aussi, Zane. C'est pas commun, wesh. Deviens un homme avant tout, mon amour. Qu'est-ce que je pouvais en savoir, bordel? Je reconnais même pas mon fils. Merde. Oh, il y a Adam Sandler à droite. Il a changé un peu. C'est bizarre, ça. Tu peux pas la déplier, la photo, là? T'abuses. Bizarre, le cadre a été cassé, quand même. Tu te dis pas que c'est chelou, un petit peu, quand même? Ok. Là, y'a rien. Là, c'est d'où je viens, mais je vais regarder quand même, on sait jamais. Non, y'a que dalle. Je pense pas qu'on peut rouvrir les placards. Non, il y aurait un bouton sinon. Je me suis cru dans Phasmophobia ou quoi? Ouais, quand il y a la vision comme ça, il n'y a rien du tout. Hein. Ouais, cette chambre, on va aller à celle-là d'abord. On sait jamais. En vrai, il n'y a que dalle. Putain, j'ai envie de me gratter. C'est dur, c'est dur. Mais ça va aller. Zane. Alors, ah ben, il est même pas là en plus. Non mais vas-y, ouais, j'avais d'autres choses. Ah, j'abuse. Allô, Anna Salim. Salim Garkun, Abu Zain. Le connais même pas. هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخذوا الاتوبيس بقالهم ساعه كله بخير اه داكور il a tout ah d'accord il a volé كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه كيف قال تي مونتي اه لما يرجع ابعته لي حالا ça me fait penser à moi ça me fait penser à moi quand j'avais 5 ans ايوه À 5-6 ans, ouais. 5-6 ans, quand j'avais été à Franprix, j'avais volé des chewing-gums. J'en avais plein la banane. Et mon père, il a cramé. Je suis parti dehors. Pensant qu'il n'avait pas cramé, j'avais caché sous la terre, tu vois. J'avais enterré la banane, tu vois.
Et il a cramé. Et il m'a mis une de ses totards. J'ai fait 3 tours dans mon slip, direction Pékin. Là, quand ils disent l'envahisseur, ils parlent de... Parle de l'armée, quoi. ودي أرضنا وإحنا لازم نتعرب ليها. شايفينهم؟ مطلوب تأكيد. يلا. شوف. كومي يبقى الكو. اللي كم سال ميك؟ والله إحنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا. خا moi je dis je dois trouver mon fils wesh. T'es fou ça. ابني محتاجني. Et je le reverrai peut-être plus. عمري يا جندي. Hey merde. مش طلب. Oh punaise. ده واجب عليك. Bon, j'ai le temps de fouiller ou pas? Je crois pas. Ah merde. Bah si, mais comme par hasard. Il y a toujours un truc que je fais. Putain, mais il faut que je choisisse bien les choses. Là, c'est parti trop vite. Et j'ai pas analysé un truc. Il y avait un truc sur mon bureau là. Et. Merde. Bon, lui, il va peut-être pas mourir. Après, on sait pas l'issue des décisions que je ferai, mais... On sait que c'est un personnage qui va, je pense, vivre avec les autres. Bien reçu, terminé. Ah, carrément, il a une jambe de bois. Enfin, une prothèse, quoi. Les gars, on va pas tarder. Merwin ? Ta mère est cliente des Bermudes ou un point commun. J'ai hâte de savoir. Je la sens mal. Les deux à Val des Marines. Ouais, elle est pas mal, tu vois. J'en ai une. Ta mère est tellement crade que rien qu'en me parlant au téléphone, elle m'a refilé une otite. Putain, tu l'as gardée depuis longtemps? Ouais, ça te fait rire. J'en ai encore un bon gros paquet à te balancer. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ta mère. Vous voulez bien arrêter et vous concentrer sur la mission. Hey, ah, c'est dans le jeu. Y a qu'un endroit où j'accepte de recevoir des ordres d'une femme, d'accord? C'est dans mon plumard. J'allais dire, ouais, ça, il va dire c'est au pieu, c'était sûr. Femme dans votre chambre. Faudrait pas la rendre jalouse. Eh ben, Rachel. Hey, pourquoi vous rigolez tous? Sergent Kay, faudrait établir le... Yo, trop bien ton maquillage. Merci Golden Fish, comment vas-tu? Sergent Kay, c'est bien compris? Bah, j'ai vu. Bienvenue à toi. Contacté de PC toutes les 4 heures. Hey, ça va? Ah, lui, il a un problème, le pauvre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Lui veut que. Rien, des trucs qui me prennent la tête, mec. Tout va bien. C'est cool. Ah, bah, conduis bien, on veut pas s'écraser non plus. Hein. Je suis là pour toi, Nick. Quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, on va voir après. Parce que. On sait pas, hein. Il y a un monstre. C'est bizarre comme. Ah, c'est mieux ça. J'ai fini le jeu, j'ai trop kiffé. Ah, c'est cool. Bah, je viens de commencer, mais je vais m'arrêter après là. Je continuerai mardi. Oui, j'ai commencé sur Phasmophobia tout à l'heure. Il y a plein de superstitions chez les Marines. Quoi, par exemple? Et ça dure assez longtemps quand même. Vu que c'était la première fois que je jouais. Il faut jamais se retourner quand on descend d'un hélico. Sinon, on maudit l'équipage. Je crois que c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Mais vous avez peut-être raison. Mais objectivement, pourquoi prendre le risque? Toujours regarder devant soi. Regarder derrière soi en plein combat, c'est la garantie de se faire descendre. On peut y aller, les gars? On peut y aller! Vous envoyez ici et go, vous go, 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 go! On va réussir! Mais on n'a pas encore atterri là! Dit, mon pote. Ouah. Ouah. Comment il est posé le mec, il était comme ça. Salut. Putain, mais eux, ils vont se taper là. Ouais, quand déjà, c'est ça. Quand il parlait de ça, il parlait d'eux.
La petite croix. On va respirer, on dirait qu'il est déjà fatigué. Oh, ça attaque direct. Oh. Ah, ils les ont vus. Équipe Alpha, attaquez le bâtiment à l'avant. Bien reçu. Combat rapproché. Vite. J'en suis sûr, je vais fumer toute l'équipe. Et à la fin, il n'y aura plus personne de vivant. Mais c'est ça qui est drôle. Non, c'est pas drôle. Bah, un petit peu quand même. Allez! Bon, première incrée! Ah, je l'ai tué direct. J'aurais pu le laisser vivre quand même. Passage dégagé! Non, bah après, il va me balancer, c'est sûr. C'est comme l'autre là. Et toi, ça se joue sur tes émotions, hein, parce que au début, tu tues pas la fille, après, ils font tuer quelqu'un d'autre. Tu dis, ils peuvent changer, tu vois. Complexe sécurisé. Les prisonniers coopèrent. En tout cas, il a pris une balle entre les yeux, quoi. Le caporal Merwin disperse de la fumée jaune sur la ZA et ramène le colonel. Ce raid est un fiasco. Ces gens ne sont pas nos ennemis, mais de simples bergers. Oh merde, j'ai tué un simple berger! Lieutenant Kolchek, votre rapport, s'il vous plaît. Chef, ferme sécurisée avec des pertes minimales. Des pertes? Ça veut dire quoi, minimal? J'ai tué quelqu'un. S'agissait-il d'un ennemi ou d'un civil, lieutenant Kolchek? J'étais pas de tuer! Présentation, madame. Il était armé? Vous avez repéré une entrée du silo souterrain? Négatif, chef. Si on a une, c'est qu'elle est bien cachée. Si on a une? Qu'est-ce que ça veut dire, lieutenant? Colonel, ces hommes ne sont pas des ennemis. Je commence à croire que ce ne sont que des bergers. Vous en êtes certain? C'est peut-être un piège? Après, oui, c'est sûr, mais bon. Si ce sont des civils, lieutenant Kolchek, vous venez de tuer un innocent. Dans un sens, ouais. Ça s'est bien passé. C'est ce que je me suis dit aussi le après. Lieu est plus sécurisé que le slip d'une pute. Inutile de finir cette phrase. Il est con, celui-là. On lance l'interrogatoire? Ouais, évitez quand même les questions trop complexes. Allez. On ouvre l'œil. Si l'un de ces gars s'avise de faire le moindre geste, je veux être au courant. C'est compris. J'aurais pas dû le tuer, c'est punaise. Vous, je sais pas pourquoi, il y a mais. Quelque chose qui cloche ici. Mais après, les autres les ont vus arriver de Est-ce toute que manière. Ce serait pas la légendaire intuition féminine. Ouais, et s'ils l'ont vu arriver. Ils vont débarquer, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ressemble pas à un ennemi. Excusez-moi, mais vous étiez pas là et je veux pas prendre de risques. Ouais, ça tombe sous le sens. C'est comme ça, c'est tout. Non, lieutenant, c'est pas tout. Vous l'avez tué. Et peut-être que ça pourra nous servir. J'aurais dû tirer à côté. Ou pas tirer du tout. Ils me foutent le doute maintenant! Ça qui change. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ vos ordres, chef. Je crois que vous en avez assez fait. Pas vous. C'était lui qui parlait. مرة ثانية. فين مكان المخزن؟ Il a monté le bâton là. C'est quoi ce truc? Une espèce de totem. Certainement païen. ايه ده؟ هتعرفه قريب. Il va le casser. En tout cas,
Oh merde! Il va se... Non, non, fais pas ça. Non, non. Je veux pas le faire. Ah, d'accord, ok. Ah bah merde, c'est trop tard. Merde. Je voulais pas le casser. Putain, merde, il m'a piqué le bordel. Fais chier. Je suis maudit, ça y est. Comme ça. Caporal, surveillez les prisonniers. Exécution. J'ai l'impression que je fais que des erreurs avec lui. Oh, le pauvre, il va mourir tellement fort, lui. Interroger le berger. Les bergers, fouiller la ferme. Je peux pas leur parler, on est d'accord. Attends, y'a rien à fouiller là, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Les autres pièces? Dis-moi où se trouve le silo. Il avait une arme, madame. Tout le monde est armé dans ce pays. دي بندقية كبيرة قوي يا أخ أكتر من اللي أنت محتاجه للغنم فين مدخل المخزن je vais pas le taper. Vas-y, je vais essayer faire. Refais-nous ça et je te découpe en petits morceaux pour nourrir ces saletés de chacal. Il y a d'autres prisonniers? Ouais, dans l'autre cabane. Suivez-moi. رجع حاليا وبعدين هتتكلم ne le quittez pas des yeux. En plus là-bas c'est une 2003 mais les femmes elles parlent pas trop quoi. Vous inspectiez toute la ferme et fouillez bien tous les recoins. Gardez sous chaque lit, abri et remise. Le silo n'est sûrement pas loin. Attends, je regarde s'il y a pas un truc derrière moi. Non, y'a rien. Y'a que dalle ici. Une remarque à faire, sergent? Regarde le sol. Tu vois quoi? Que dalle. S'il y avait un silo, où sont les traces? On est juste en train de tâter le terrain. Son précieux Kélus raconte n'importe quoi. Il faut suivre les ordres, sergent. La mission n'est pas terminée. Compris, chef. Après, ça a pas changé. Entre guillemets, l'histoire du truc là. Il n'y a pas eu de truc sur la gauche. Oh! Attends, c'est bizarre ça quand même. Ici, il y a des masques à gaz. Ah. Un secret. Bango! Ah merde! Je pensais qu'on pouvait fouiller une salle avant. Vous êtes dans la merde. J'adore, il garde les lunettes de soleil même en intérieur. C'est ça, ça Godin. Mais tu sais, c'est comme partout. Hein. Même dans la vraie vie, comme ça, là, quand tu vas te promener dans la rue. Des fois, il n'y a pas de soleil, tu vois des jeunes, ils sortent avec des lunettes de soleil. Moi, ça me fait rire. Je dis, ah ouais, ok. Le soleil est pas là, mais bon. Ils ont le style, quoi, tu vois. Bon, ils voyaient moins. C'est la réserve de bouffe, non? Ah merde, ok, d'accord. De mieux en mieux, dites-donc. Ces types sont des voyous sans intérêt, mais qu'est-ce qu'Eric avait en tête? Fouillez-moi tout ça de fond en comble. Ah ouais. Ah, c'était obligé. Ah, il y a les autres derrière, donc ils vont nous attaquer, c'est sûr. Merde, je suis touché. Tu t'es pris une balle, là. Ah, les cheat man. Arrête-toi, là. T'es dans la merde. Ils sont sur la crête! On les allume! Allez! Ah, mais je le voyais même pas, frère! Ah, je suis aveugle! Oh, c'est mon lunette! Non! Merde! Ah, ouais, j'ai vu plus celui-là à gauche, j'avais pas vu le point rouge. Sinon, j'aurais tiré direct. Merci, Kawap. Comment vas-tu?
Slow be like. Ça a été fait un peu à la va-vite, mais ça va, ça passe. J'ai tué un innocent, mais pas les autres. J'arrive même pas. Avec les cheveux bleus en plus là. Un petit gel. C'est un petit gel coloré. C'est trop stylé. J'ai bien kiffé. Ils sont juste là. Je vous attends, bande d'enfoirés. T'as l'autre, ils peuvent tellement le tuer. Ils peuvent tellement le tuer bien là, le mec à droite là, qui est par terre. On peut pas l'utiliser contre des gens. Oh putain, tu préfères qu'on se tienne tous la main et qu'on chante des conneries ici autour du feu. Ferme ta gueule une petite seconde que je réfléchisse. J'ai pas tué l'autre. Bonne nuit, Kawab. A plus, merci d'être passé. Fais chier. On les crame. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un bidon juste à côté de lui là. Headshot. Ah, mais il aurait pu tirer normalement. Oh là 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 là. Quelle technique! Je crois que je vais crever, Nick. Putain, mais arrête! Je sais que ça fait mal, mais tu vas pas crever. Toudou, du calme. C'est une petite égratignure. Putain, mais s'il crève tout de suite, c'est chaud. Ne bouge pas. Menteur. T'as en plus. Non. Il est mort direct? Il devait pas vivre, lui? Merde! En vrai, je sais pas s'il devait vivre. Je me rappelle pas si on le voit dans le trailer. J'ai pas voulu trop regarder. Nom d'un chien. Ah, mais si, je crois qu'on le vend. Silence levé, je peux avoir un rapport sur le contact. Terminé. En fait, il est mort parce que j'ai raté au début là. Bon après c'était plusieurs à tirer. Hein. Ça a été où? Oh oh. Ah là là. Je vais tout de suite ou je te jure, je te colle une balle dans la tête. Ah non, je vais pas tirer, il se barre. Personne ne parle notre langue. Ah, là par contre... Bon, en vrai j'ai pas tiré mais... Mieux vaut pas tomber. Ah c'est l'autre gentil. Enfin c'est l'autre gentil. C'est l'autre qui cherche son fils là. Je ne veux pas tuer. Un autre trou. C'est pas possible. Putain, mais l'autre, je crois, il devait pas mourir l'autre. Donc ça me fait un en moins à gérer après. On va dire ça comme ça. Putain, ils ont pile atterri dans la bouche du truc en plus. Putain, mais c'est fou que ça a été construit. Enfin, ouais, construit au-dessus, quoi. Crotte des sables. Oh, merde.
Jason! Retrouver les forces alliées. Bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose à côté là. Appuyez sur L1 pour allumer ou éteindre votre torche. R. Jason! Dirigez. Jason! Bah, je suis obligé d'aller par là, je crois. Je suis là, vieux. Y'a rien là-bas. Tiens. Il répond même pas. Il répond. Bah si, il répond. Il vient de répondre, t'es con, quoi. En fait, je voulais m'approcher, mais j'ai peur qu'il y ait un screamer, quand même. Oh, le bâtard, il m'a fait peur. Putain, mais dites-moi que c'est une blague. Bah non, apparemment. Oh, bah t'as langue de vue, je vois rien. Moi j'aime bien parce que il est passé de là-bas, mais moi je regarde de l'autre côté moi. C'est le prochain creux ou quoi? C'est un œuf? Ah non, c'est. C'est la bête! Mais il avance normal en plus, tu sais, c'est pas, il avance doucement. Pas peur, moi. T'imagines, ça vit sous la terre, normal, comme ça. J'ai à trouver un autre. Tu parles d'un patelin. Mais bordel, où est-ce qu'on a encore atterri? Mais il lui dit même pas qu'il a trouvé un monstre là? Enfin, qu'il avait un truc bizarre. Place, retrouver le reste de l'équipe et demander une médévac. On se trouve pas dans une cage d'armes là, mais on peut pas dire que ça manque d'Irakiens. Nick? Sergent Kay. Ouais, je parle, wesh! Il faut te ressaisir. Allez! Ah ouais, non, mais t'es fou, toi, moi je dis direct. J'ai vu un truc. Comment ça, t'as vu un truc? Ça va, stop. C'était pas un humain. Dans le tunnel. J'aurais jamais dû quitter l'hélico. Putain, je savais que t'étais pas encore prêt. Mais non, tu me jures. Ah, il le prend pour un fou. T'as la peine de dire adieu à toutes ces conneries. Maintenant, t'as intérêt à fermer ta gueule. T'as intérêt à te ressaisir immédiatement ou on va se faire buter tous les deux. C'est pas des conneries. Stop, c'est terminé, sergent. Ah, merde. Il y a un truc qui cloche. Je sais que tu le sens. Ce que je sens pour le moment, c'est que tu commences à me les briser. T'avais déjà vu un truc pareil? C'est quoi cet endroit? Je sais pas. J'ai une buse en histoire. On peut pas sauter là, non? On peut pas sauter. Mais si tu peux aller un peu partout. Ah bah voilà. Tu visites de. Ah mais non, c'est une porte. Moi, attends. Tu sens rien. Ah putain, ouais. Vas-y. Qu'est-ce que je devrais sentir? Lequel faire en premier? Un truc. On va faire ça. Ah, y'a une plaque, y'a une plaque. J'ai bien fait d'aller là avant. Sinon après je pense pas que j'aurais pu voir. J'ai même pas vu c'était qui. Après je pense qu'on peut voir après. Je crois que dans les options on peut voir les prémonitions. Néné va se faire engloutir. On pourra peut-être le sauver.
truc est plus lourd que prévu. Aide-moi. Je vais avoir besoin de tes muscles. Tu fais plus tes abdos ? Ouais, les abdos travaillent. C'est Merwin. J'étais en train de vérifier si avec les bras qui comptaient. Non, non, il y a les abdos. Bon sang, je vais m'en dire. Arrêtez un peu de gigoter aussi. Il perd trop de sang. Il faut qu'on l'exfiltre plus vite. Tiens bon, mon pote. Attends, mais le mec, il s'est pris des barbelés, là. Nick, j'ai besoin de toi. Coupe-moi ces câbles. C'est moche, là, il est foutu. Il est moins foutu que l'autre, pour l'instant. Que je t'entends. Tu vas t'en tirer, mon grand. Accroche-toi. La morphine dans mon sac. Prends-la. On va te remettre sur lui. Merde. T'as même eu fait à crever, là. Maniez-vous un peu. On fait vite. Montez la garde. La garde. C'était quoi? C'est pas vrai. Qui a préparé ces sacs? Ah bah... Me dis pas qu'elle va se faire bouffer, là. Putain, on fait peur, c'est con. Putain, il faut qu'il s'arrête, wesh. Bah, fallait surveiller ça, là. Clarisse. Et t'avais prévenu, hein. Puis avant, c'était avec Clarisse. C'était quoi, ça? Il y a tout le monde qui meurt, tout le monde. Oh, le pauvre, mais lui va crever. Il perd trop de sang. Faut arrêter l'hémorragie. Allez, il va être comme ça, là. Merde. Ça donne quoi? Tu veux la version cool ou pas cool? Sois honnête avec moi. On va pas se mentir. C'est pas joli du tout. Pas ce qui rôde, mais il les attire. Il s'agit de trop. Pas le bruit de la morphine. Ferme-le. Ferme-la, putain. Il va le tuer. Oh, c'est quand tu veux, hein. Oh, tu vas finir par le tuer. Ah merde, j'aurais peut-être dû arrêter. Ah, je sais pas si... Ah, je l'ai raté exprès, mais... Putain, il meurt quand même, putain. Non, il meurt pas. Heureusement, j'ai pas continué. Je pense que j'ai bien fait. Je sais pas s'il est mort, en vrai. Apparemment, il est pas mort. Ouf. Putain, t'avais l'impression qu'il y avait plusieurs gens qui devaient rester avec toi, mais en fait non. Lui, je pense qu'il faut le faire survivre jusqu'à la fin. C'est bien. Captain, Doc, عذر رسالة حول كابتن زفت دار إذا قدرت تسمعني أنا مش عارف في 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 كهف بحاول أخرج حول disparu. Attends, c'est quand qu'on peut... C'est quand qu'on peut sauvegarder là-dedans? Ça sauvegarde automatiquement? J'ai un doute. Bon,
Bon, y a pas son arme. Il n'y a rien au mur qui dit tiens, regarde, ça vient de là. Des écritures, des trucs comme ça. Allez, il va y en avoir, je pense. Quand même. Est-ce que ça va être le premier à affronter la bête ? C'est une bête qui l'a bouffé, ça. C'est la bête, hein. C'est sûr. Hein. Cool. Attends, par rapport au bot, c'était moi? Par rapport au bot, ça a l'air d'être moi. Enfin, d'être ce personnage, quoi. Oh non. Il a plus de fusil. Il est dans la merde. Il est dans la merde. Oui, il y a une sauvegarde auto quand il y a le logo du jeu. Ok. Le crâne, là. Ok, ok. Je regarderai. Pour pouvoir arrêter. Enfin, je me couche trop tard non plus. Demain, je me lève tôt. Je me lève à 10h. Enfin, ouais, 10h. Un petit peu avant si mon fils réveille avant. C'est parti! Et là, tu tapes une glissade dans le... Oh, merde! Bah, de toute façon, t'es pas... Ah, bah oui. J'avais oublié... Ah, mais non, dis pas ça. Bah, fais pas ça non plus. Ah, ok, y'a rien. Il a quand même une lampe torche. C'est mignon. C'est un briquet en fait. J'ai l'impression que je vais louper un truc. Tu penses qu'il mettrait des trucs sur le côté là? C'est filou là? Non. Par contre, je vais rencontrer un truc là tout de suite. Un screamer? Non, s'il vous plaît. Allô? À lui là? Y a-t-il quelqu'un dans les parages? S'il vous plaît. Ah, bon, il y a une porte. Oh, mais je vois rien, wesh. Ah ouais, d'accord. Je peux pas passer par là, je suis obligé de passer par là. Je vois rien. Je me dis... Ah bah voilà, mais c'est mieux comme ça. En fait, tu sais, il y a des griffures et tout, il se dit pas, oh tiens, c'est peut-être un monstre. Non. J'ai fait me tromper de touche. Comme j'ai vu la croix, j'ai fait faire croix. Ah non, c'était carré. Voilà, il va en voir plus des griffures au mur là. Ah, ça, c'est un collègue à lui, ça par contre. Quelle bande de fils de tulipes.
Ils m'ont fait flipper. Oh mon dieu, j'ai breaké. J'ai breaké ma race. Et punaise. Ah bah ça a pas servi à grand chose. Cours Forest, cours. Tu peux le faire. En vrai, je pense qu'il le voit même s'il se cache, non? Là peut-être pas, mais... Je pense qu'il va essayer de voir si... Ah non, non. Ah, il peut pas aller au soleil, non? Ah, est-ce qu'il est mort? Moi je rigolerais pas trop à sa place quand même hein. Il peut passer au-dessus s'il est pas mort. Non il est mort c'est bon. Enfin soit il est mort soit il est enfermé. Ah là ça a sauvegardé là. Ok là c'est bon je pourrais m'arrêter. Bon il a une petite vision de... du mariage. On dirait bien que tout va s'effondrer. Est-ce que ça va? Tu n'as rien? Je vais bien. T'as vu le sergent Kay et Kotchek? La dernière fois, ils étaient ensemble. J'ai essayé, mais il y a quelque chose qui brouille le signal. C'est peut-être une autre issue. Je sais pas. Tu peux compter sur moi. On va lui faire confiance. On va lui faire qu'il fasse confiance. On va l'apaiser. Elle est assez grande pour me débrouiller. Oh, merde. On va bien. Putain. Extenseur, corde, lampe. Merde. Mais il y a eu la sauvegarde, mais ils la font pas juste après un truc où tu peux marcher. C'est bon. Dommage. C'est bon. Allons-y. En gros, là, ça veut dire que si je m'arrête, je reprendrai avant cette scène. Une jolie chute vers l'inconnu. Vers l'inconnu et l'au-delà. Non, c'est pas ça. Regarde, il y a un courant d'air. Ah, pas mal. En escalade. Depuis quand tu fumes, toi? Pardon? Ton briquet? C'est rien. Je l'ai pris comme ça, à la base. T'es paré? Et toi? Les problèmes. Tu m'étonnes. C'est normal. Vraiment rien d'une cache d'armes. Moi, je dis ça. Rien ici. Pourquoi on nous a attaqué? Parce que c'est la guerre. Les gens ont tendance à se flinguer. J'ai eu ma lumière. Dire qu'on est en train de passer un bon moment. Et parce qu'elle est devant. Toi et moi, on n'a jamais eu la même notion des bons moments. Ah, pas peur, elle. Ça te rappelle pas le bon vieux temps? Quoi? La solitude, ah, attends. Tu veux dire? Je peux aller par là ou pas? Oh, j'ai heureusement j'y étais. Punaise, je suis un génie. Bon, tu me dirais, il y avait un autre chemin, je vais le prendre, c'est sûr. Oh merde!
c'est de la pierre. Putain, oh, c'est un bug. Je pensais que c'était un levier. C'est bon, on peut y aller. Tu peux continuer de marcher. Ah, petit tableau. Ouf, je l'ai eu avant. Bah, y a rien qui m'intéresse, hein. Écoute, je sais pas lire. Ça a l'air vieux. Vieux ? C'est antique. Ce sont des cunéiformes. Sumériens, peut-être. C'est quoi ce lieu ? Sacrément calé en histoire. Je me doutais pas. Mais grave. De ouf. C'est pas tout sur moi. C'est vrai. J'aurais peut-être mieux fait d'apprendre à te connaître. Un peu mieux. Notre coup pourrait mieux marcher. Ouais, là, la musique, elle nous dit qu'il va y avoir des problèmes. Là. La musique, là, elle nous dit qu'il y a de, il y a de l'action, là. Je suis armé. Calmez-vous. C'est encore plus de marche, s'il vous plaît. Là, ça a sauvegardé, là, je crois. Ça paraît stable. Ouais, ça a l'air. Attends, elle était accrochée à un fil à la base. C'est pas là qu'elle meurt. Tu sais, ils auraient pu se trapper. Comme dans les jeux vidéo. Comme dans Roblox. Alors, attends, 1, 2. Il n'y en a pas de l'autre côté. T'as l'air de bien supporter la pression. Quand t'es parti, j'ai dû me faire à la pression. Encore des petits trucs là. J'aime bien parce que. Sinon, on peut pas le prendre en photo ça. Si on dirait rien. Quoi ce lieu, tu crois ? C'est un puzzle, wesh. J'en sais rien. Alors, bientôt un kill ? Mais arrête, frère, il y a déjà trop de monde qui sont morts là. J'ai l'impression que c'est. C'est moi qui a tout niqué. Après, peut-être pas. T'es nul le point. Oh, mais attends, il y a un truc par terre là. Attrape-le. Tourne-le. Ok. C'est pas Zouzou. C'est pas Zouzou. Zouzou quoi ? Je connais pas, wesh. Tu regardes pas de film d'horreur ? Avec papa, alors, Zouzou pense. Dedans. C'est un démon sumérien. Il est lié à des fléaux, je crois. Fléau et démon. Cool. J'ai l'impression que j'ai bientôt fini le jeu parce que j'ai tué tout le monde. Non, non, je rigole. Ça devait être normal, peut-être. Oh! Ouh! Tout de même! C'est pas les zouzous. C'est pas midi les zouzous, non, non. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes émissions. Je dirais bien qu'elle est scellée. Non, ça marche pas. On va ailleurs. Et ça va aller par là, t'es sûr? Moi, je suis pas très sûr. Moi, tu dis quoi alors? Parce que depuis tout à l'heure, c'est toi qui décides. Hein. Bah, en fait, il y a le mec aux lunettes qui est mort. Je sais pas s'il devait mourir. En vrai, si j'aurais peut-être bien tiré, il serait pas mort. Après, t'as la fille qui s'est fait attraper. Celle qui a les cheveux courts, là. Clarisse, là. Je crois qu'elle est Clarisse, ouais, c'est ça. Et après, c'est tout. Oh, il y a un truc là, j'ai pas vu. Bah, je l'ai vu avant.
Avant, pas encore après, là. T'as pas entendu ? J'ai rien entendu. J'ai cru entendre un truc. Moi, j'ai rien entendu. Même en ruine, cet endroit est vraiment unique. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Des coups de feu. D'où ça peut venir ? D'autre part. Faut qu'on se bouge. Ah, c'est possible après. Est-ce que tu vois quelque chose ? C'est profond. Parce qu'il y a un truc que j'ai loupé, c'est sûr, dans une maison. On n'a pas le choix. Parce qu'ils m'ont pas laissé le temps. J'ai été voir un truc qui a fait avancer l'histoire, en fait. Mais j'ai vu des trucs... Enfin, j'ai eu plein de prémonitions. Du futur.